Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sur Star Wars The Old Republic en PVP avec mon spécialiste. Du coup, je savais pas trop quoi faire comme vidéo. Du coup, je me suis dit, refaisons des zones de guerre sur Star Wars. C'est très bien. Et puis voilà. Du coup, bah sinon, j'espère que vous allez bien. Et puis voilà. Hein, j'espère que tout se passe bien pour vous. Et puis voilà. Donc, je vous le dis d'avance. Du coup. Ouais, une vidéo du coup, comme d'habitude, 3 zones de guerre ou 2, si vraiment c'est long, ça dépend, c'est soit 2, soit 3, on verra. Et puis voilà. J'espère que, en tout cas, cette vidéo vous plaira. Avant que ça commence, du coup, n'hésitez pas à vous abonner si le concept vous plaît, parce que c'est vrai que il y a très peu de vidéos PVP Star Wars en ce moment, enfin sur Nous YouTube, avons du moins créé cette français, réplique des de ruines nos jours, hein, anciennes parce qu'à l'époque, il y en a pour eu plein. entraîner nos unités. Mais maintenant, Nous c'est plus devons trop le cas. former Maintenant, les parce que Yuuzhan plus avant beaucoup de l'invasion monde perse. Ce joue à scénario est Star Wars. basé sur l'ancien système Du de coup, bah, sécurité du coup, des c'est dur ennemis, de trouver des vidéos inventé FR par de deux PVP. tyrans énergétiques. Du Ce coup, bah, système voilà. était De, du coup, parfaitement si équilibré. du coup, si ça Chaque vous plaît, tour utilisait n'hésitez une pas à me unité le ennemie dire. Et et puis, émettait une voilà. puissante décharge explosive. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et nous, on est parti tout simplement. Donc là, c'est des pylônes. Donc là, faut capturer l'un des deux pylônes ou les deux, si on peut. Et ensuite aller au milieu, récupérer des orbes et les mettre à notre pylône pour que notre barre monte jusqu'à la fin, tout simplement. Et voilà. Donc là, le but, c'est pas de jouer comme un pro, je dis à chaque zone de guerre, parce que à chaque fois, j'ai peur qu'on s'attende à ce que je joue comme un pro. Mais non, je suis là pour la détente. Voilà, je suis pas là pour. Je suis pas là pour jouer comme un pro et je suis pas là. Voilà, je suis pas du tout là dans le seul but de. Voilà, de défoncer tout le monde, de jouer et tout. Non, là, non. Lancement de C'est vraiment l'exorcisme. pure détente. Dirigez-vous vers les pylônes. C'est vraiment fou 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 le détente. Et c'est pas le but. Alors. Du. Ah bah. Hop hop. L'ennemi a pris le premier pylône. Vous avez un pylône. Allez, 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 allez. Hop, hop, hop. Alors si ça rame, c'est pas vous, hein. C'est le jeu, hein. C'est pas moi non plus, c'est le jeu. Le jeu des fois il est un peu mal optimisé quand on est trop gros, quand on est, hein, comment dire, quand on est nombreux quoi, il a du mal. Il a du mal le bordel. Hop, hop. En ce moment je joue plus trop au jeu. Voilà, les seules fois que je joue au jeu c'est quand je fais des vidéos. Du coup voilà. Du coup j'ai un peu du mal. Ok, on se calme Patrick, on se calme. On se calme, on se calme, on se calme. On va se calmer un petit peu. Waouh, c'est chaud. Oh. Nickel. Waouh, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud.
Ah la pute. Ah oh, bah nique ta mère. L'ennemi a pris le premier pylône. Waouh. C'est chaud. Bah ouais, forcément, y'a personne qui va sur le point, les mecs. C'est bien beau de parler dans le chat, mais bougez-vous le cul! Pardon. Tu sais quoi, attends, on va aller les aider de l'autre côté. Parce que bon, c'est bien beau, mais les mecs, c'est relou quoi. Oui, vraiment. C'est genre relou quoi. C'est genre relou, relou au bout d'un moment. Alors, hop, 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 hop. Hop, on leur met du feu partout, bordel. C'est la foire fouille. C'est, voilà, c'est le jeu. C'est, voilà, c'est le... On va perdre hein, si ça continue, les mecs. Prenez un putain de pylône aussi. Arrêtez de rester au mid à chaque fois. Ils sont où? Enfin, là, ils sont pas au mid, mais je veux dire... Quand... après l'explosion, je veux dire. Voilà, après l'explosion, partez tous, quoi. Arrêtez de rester au mid. Vous en laissez que 3-4 au mid et voilà. Au cas où, quoi. Ah putain, mais je m'attaque une Rava aussi, moi. C'est pas forcément la meilleure solution. Hein. Bon, au pire, on va s'occuper de lui. Bah ouais les mecs. En même temps si quelqu'un m'aurait aidé, bon. Enfin quelqu'un m'aurait aidé, je veux dire quand... De l'autre côté là, tu sais, où l'ennemi a pris le pylône, ça aurait pas été un problème quoi. Ouais je vais mourir, c'est pas grave. Au moins il est mort l'autre. Votre équipe peut encore l'emporter, à l'attaque. Bon lui c'est un gardien, il a pas besoin de mon bouclier en vrai, mais bon. Dun, 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 dun. Donc là le but c'est de les occuper le plus longtemps possible. Putain mais y'a que des gardiens le bordel, c'est n'importe. C'est n'importe. Ah yes, ah yes, y'a nos potes, y'a nos potes, y'a nos potes, y'a nos potes. Allez. Allez. Ah je sais pas qui attaquer là, les ravageurs ils sont costauds, les gardiens ils sont aussi costauds. Bah GG les potes, voilà ça, c'est ça qu'on veut, voilà c'est ça, c'est parfait. Ouais voilà ouais ouais voilà, choper les orbes, choper les orbes. Allez. Ah t'as de la chance toi. Hop hop. Moi je suis concentré, excusez-moi les potos hein. Excusez-moi, excusez-moi. On est plutôt bien, on va dire. Hop. J'adore les games où c'est serré comme ça. Ce que je veux dire, c'est que j'aime bien les games où c'est pas trop déséquilibré, tu vois. Où on se fait dominer, soit on domine complètement, soit on se fait dominer. Je déteste ça. Oh
Oh, chaud, 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 là. Ok. Donc là. Oh, yes, oh, yes. 2-3 secondes. Allez, 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 les poteaux. Yes, aïe, c'est bon. Et voilà, chacun son tour. Évacuez la zone immédiatement. Bah, lui, je vais le mettre là. Attends. Ouais. Bon, c'est pas grave. On est bien. Alors là, la question, je sais pas où je vais. Est-ce que je vais. Est-ce que je sens qu'ils vont tous aller de l'autre côté? Cette fois-ci, tu vois, ils vont essayer d'anticiper, ils vont tous aller de l'autre côté. Les pylônes ont été réinitialisés. Reprenez l'attaque. Pourquoi ils vont tous aller de l'autre côté là? Ah non, même. Ah non, même Pylônes pas. sécurisés. Impossible de voir la scène. Non mais tu l'as fait. Non mais non, tu l'as fait juste pour toi. Ouah, merci les potes. Ouah. Oh ouais, c'est choquant. Oh, viens là, tasse. Wow, c'est pas grave, ils vont anticiper dans tous les cas. Ah merde. Nickel, merci les poteaux. Merci les poteaux. S'il y a un danger, le moindre danger, je vous appelle là. Cible non ennemie. Ah, de toute façon, il y a un mec qui reste avec moi, on est bien. On est bien. Je vais mettre le heal en. Attends, médaille, il s'appelle comment le heal? Putain, je sais plus. Leave me alone, voilà. Pas mal. Pas mal du tout, j'aime bien. J'aime bien son petit pseudo. Du. Bah, je pense qu'on. Ah non, est-ce qu'on a encore gagné là? Est-ce qu'il nous faut. Je crois qu'il nous faut 400 points, on en a 656, donc je pense qu'on a gagné, si je dis pas de conneries. C'est. Voilà. Dans tous les cas, je pense qu'on a gagné. Enfin, je pense, parce que là, c'est 6... on a 662 points, et là, je crois qu'ils en demandent que 400, du coup, on a forcément gagné. Ah bah non, attends. Ah non, ça, c'est les points qu'on a, autant pour moi. Autant pour moi. Autant pour moi, autant pour moi. Bah GG les mecs, bravo, gros GG à vous. Vous êtes les best. You are the best. Votre équipe a été la plus forte. Alors, où est Leave Me Alone? Leave me. Oh, c'est le plus bas. Pourtant il m'a bien sauvé hein. Merci à lui. Et puis voilà, bon bah c'était cool les amis. Du coup je vais faire une petite ellipse, le temps de trouver une autre zone de guerre. Et on va voir, ça fait déjà 13 minutes, on va voir si j'en fais 2 ou pas, on verra bien. 2 ou 3, on verra bien. En tout cas, bah, j'espère que cette première zone de guerre vous a plu, et je vous dis du coup à tout de suite pour la seconde tout simplement partie. Voilà, allez, à tout de suite! Et re tout le monde, on se retrouve du coup pour la partie 2 sur bah, toujours Star Wars de la République, hein. Pour vous, c'est passé quoi? Ouais, une seconde ou deux. Moi, c'était le lendemain. Ouais, bah moi c'est le lendemain. Du coup, voilà. Et du coup, bah j'espère que cette vidéo va toujours vous plaire. Hein. On est parti du coup pour cette zone de guerre qui consiste à prendre les tourelles et en avoir plus que l'ennemi pour ensuite détruire le vaisseau ennemi, tout Voilà simplement. ce que j'ai. Regardez rapidement. N'hésitez pas. Hop, attendez, on va juste ouvrir ça. On va juste ouvrir ça. On va juste ouvrir ça. Ça ouais, d'accord. Est-ce que j'ai de la neige? Attends. Non. Mais putain, mais assieds-toi pas. Oups, c'est Daisy. Initialisation de la simulation 4-9 crèche. Scénario C'est bon, tout va bien. J'ai le plaisir de superviser cet exercice. Les combattants sont divisés en deux équipes, l'escouade faucheuse et l'escouade ombre. Chaque équipe se bat pour s'emparer des canons de la planète.
Du coup, oui, du coup, là, le but, c'est de prendre les canons et d'en avoir plus que l'ennemi pour ensuite faire perdre ses points de vie tout, voilà, au camp ennemi, au vaisseau ennemi. Tout simplement, donc on est parti sans perdre plus de temps et puis. Et puis, je pense qu'on est bien, Vous hein. formez l'escouade faucheuse. Le champ de bataille comprend 3 tourelles de défense aérienne. Merde, j'ai pas fait Pirater quoi la des console autres? de Ah, si, ciblage de ok. chaque tourelle pour pouvoir utiliser sa puissance de feu. Dirigez ces tourelles vers le vaisseau de l'escouade adverse. Ok, Détruisez le nickel. vaisseau ennemi pour remporter la simulation. Donc là, on est prêt, les poteaux. Donc on va essayer de bien jouer. Encore une fois, je sais pas jouer comme un pro. Donc, enfin, je sais pas jouer. Je me considère pas comme un pro. Du coup, c'est vraiment une vidéo détente, sans prise de tête. J'aime bien, voilà. C'est cool, quoi. C'est relax. C'est Les relax. véhicules de déploiement sont prêts. Conduisez-les au Allez, champ de hop. On bataille. y go, on y Montrez de go. quoi vous êtes capable. Que la meilleure équipe l'emporte. Très bien. Donc nous, notre objectif, ça va être de... Ouais, je sais pas, d'aller au mid, hein, comme tout le monde. Ok, nickel. Ok, hop. Artillerie verrouillée et activée. Magnifique escouade faucheuse. Ah, ils vont prendre le mid. Bon, c'est pas grave. Ils vont prendre le mid, c'est pas trop grave. L'artillerie tire sur votre vaisseau. Enfin, si, c'est grave, parce que du coup, voilà. Bon, hé, attends. Il casse le coup d'aile. Et casse ce couille ma parole, je te le dis. Hein. Ouais, on. Allez, tape-le, bordel! Oh, sa mère! Ouais, c'est compliqué. Ça va être dur. Je sens qu'on va perdre. Je sens qu'on va perdre. Ouais, je le sens pas, quoi. Je ne le sens pas. Oh! Allez, oh là là, oh c'est... Oh j'ai réussi à la... J'ai réussi à la tuer parce que je les grimpe. Oh. Genre... Ah ouais, j'avais oublié ça. J'avais oublié. Oh. Du coup, j'ai réussi à la... Oh c'est... Eh non mais c'était beau quand même. J'ai réussi à la tuer en la grimpant. Oh. Oh. C'est trop bien, j'adore. Oh. Ah, c'est fait tuer quoi. Un ennemi est imbattable. Allez. On va re-essayer, hein, attends. Tourelle verrouillée. Tire sur vaisseau ennemi. Ah, ça a pas marché. Alors, ok, donc là on va là. Nickel, nickel. Hop, donc là on prend ça. Allez. Ah ouais, d'accord. Putain, mais les mecs, mais personne défend ou quoi? L'escouade ombre vous tire dessus. Ne lui faites pas ce plaisir. Non mais personne s'est joué. Enfin, personne s'est joué dans ce putain de jeu. C'est un truc de dingue. Genre j'en ai marre de toujours perdre face à des nuls dans mon équipe quoi. Just don't give up. Enfin je veux dire, le temps que j'arrive là-bas, pourquoi y a pas un mec qui y défend? Genre sérieusement. À quoi ça sert? Le mec il joue juste trop bien.
Enfin, ils jouent trop bien dans le sens, ils savent jouer, quoi. Enfin, bref, laisse tomber. Bah ouais, mais là, ça sert à rien, on va se faire poutrer. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Un ennemi est abattable! Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Non, mais honnêtement, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas les mots pour dire à quel point c'est... C'est... Ouais. Ah, quelqu'un a quitté le groupe, tu m'étonnes. Moi, je déteste ces games-là où c'est... C'est... Je sais pas, j'arrive jamais à gagner. C'est vraiment... Pourtant, la game d'avant, elle était bien, hein. Mais... Ouais, là-bas, ils sont deux à défendre. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont plus nombreux que nous, en fait. Escouade faucheuse, votre vaisseau essuie des tirs ennemis. Waouh, on se fait défoncer. C'est un truc de dingue. Bah, je sais pas où aller. Je ne sais, on sait pas quoi faire. Cette game-là, on se fait défoncer. C'est un truc de dingue. J'espère que... Ouais, bah, j'espère qu'on va réussir à la prochaine game. Voilà. Oh ouais, c'est laisse tomber le bordel, toi. Laisse. Well. Ils se battent ici, visiblement. Alors. On est nul à chier, ça va pas le faire. On a perdu la game, ça va, ça c'est... En plus, on a perdu parce que même quand on arrive à reprendre un point, bah, notre équipe arrive à rien foutre, quoi. Ils arrivent à rien foutre. C'est compliqué, comme ça t'es, tu vois, des fois t'es bloqué. Allez, voilà, dans ta gueule. Voilà. Oh, allez, putain, le stun de merde là! Putain, il compte rester longtemps, hein! Putain! Vous vous êtes emparé de l'artillerie. Ouais, mais ils vont la reprendre! Ils vont la reprendre! Le vaisseau ennemi subit des dégâts! Détruisez-les, escouade faucheuse! Oh la pute. Allez. Ouais, tu vois, ah, putain, je pensais que... Ah ouais, bon bah rip. Rip. C'est chaud. Bim bam 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 bam, chaud. Ouais, bah j'ai pas, je sais pas quoi faire. Je... Oh. Dégâts critiques importants. Escouade faucheuse, emparez-vous de l'artillerie ennemie. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ils savent trop bien jouer. Ils savent beaucoup trop bien jouer. Ouais, ils savent trop bien jouer. Waouh, c'est chaud. Enfin, ils savent être coordonnés, en fait. Alors qu'ils se connaissent même pas, hein. Enfin, je joue. Ouais, ah, si, ouais, non. Non, ils sont pas de la même guilde et tout. Enfin. Ouais, c'est juste que des fois, t'as de la chance. Oh là là, c'est triste.
Si triste, si triste. Bon, c'est pas très grave. Bon, bah, en tout cas, les potes, on a perdu. Du coup, bah, on va se faire une petite ellipse pour la partie 3. Donc, on va attendre d'être à 0. Vous voyez, on est à 36. Donc, on a clairement perdu. Je pense que ça sert à rien d'insister, malheureusement. Mais bon, c'était quand même bien tenté. Voilà, on a quand même joué. Bon, on peut pas être parfait non plus. Hein. On peut pas être parfait non plus. Bref. On a perdu, on a perdu. Ça, c'est sûr. Bon, on va attendre, hein. De toute façon, là, on peut rien faire. Voilà. Votre vaisseau a été détruit. Escouade faucheuse, attendez l'extraction et le débriefing. Simulation terminée. Bon, je suis le premier, ça va, je m'en sors pas mal. Alors par contre, le mec, c'est un gardien de Jedi, il défend. Un gardien Jedi qui défend. C'est... Ça me pose pas trop de problème que ce soit un gardien, mais... Alors, le gardien Jedi n'est pas fait pour défendre. Enfin... il peut aider à la défense, tu sais, quand il y a un ennemi et tout, il vient, il tabasse, il repart, tu vois. Mais le gardien Jedi n'est pas fait pour défendre une position où il n'y a pas d'ennemi. Enfin, le principe d'un gardien, c'est que tu fonces, quoi. C'est un truc bourrin, quoi. Donc c'est pas logique qu'il reste à la défense pendant que t'en as d'autres. Ils peuvent jouer à la défense alors que, voilà, ils sont en attaque. C'est sûr qu'il faut pas s'étonner si on perd. Bon, bref, je fais une petite ellipse pour la partie 3 et je vous dis à tout de suite. Et re tout le monde, du coup, pour la partie 3, on se retrouve sur le Hutball. Et puis voilà, donc dernière zone de guerre. J'espère que ça vous plaira. Et puis, ben, on espère avoir plus de chance que, voilà, que d'habitude. Alors. Alors, on a quoi avec nous? On a un sentinelle. Très bien. Une sorcière, un maraudeur, un assassin, un érudit. Un spécialiste. Très bien. 18. Très très bien. J'aime beaucoup le. J'aime beaucoup très bien. Si quelque chose vous plaît, faites un clin d'œil. Donc c'est. Alors c'est quoi la tenue? Mesdames et messieurs, ouais. Bienvenue dans la fosse. Le bon et magnifique Jirada le Hutt vous salue. C'est quoi cette connerie? On est à poil. Que les vainqueurs savourent leur victoire. Attendez, je regarde un peu les armures. Écoutez bien, voilà les règles du Hutball. Deux équipes, vert grenouille et vert mechère, tirez au sort. Une balle, puissante comme un hut, je sais plus quoi. Attrapez la balle. Ah, elle est pas mal cette armure. Ah, bon, bref. Zerka. Des solutions brillantes pour un avenir radieux. Mais retour au match. Ok, du coup on est bien, donc là je laisse quand même le 16 secondes et tout. Ah, il a pas fait la voix off. Non, il fait toujours une voix off où il explique les règles, mais visiblement là il a pas fait. Toi t'es un sorcier, t'es super fragile, je vais te mettre un bouclier. Voilà. Bref, allez, good luck. Voilà, je le remets au cas où. Voilà, allez, on est parti, pour le Hutball. Du coup, bah, ce sera la dernière zone de guerre de cette vidéo, et puis bah, ça va être cool, quoi, tout simplement. Les chiens grenouilles s'emparent de la balle. Allez les chiens grenouilles. Je sais pas où il est. Il est où? Où est la balle? J'ai perdu la balle. Allez là. Ouais bon, allez, vas-y, laisse tomber. Allez, putain de dot. De dot de merde. Enfin de stun. De dot. Rien à voir avec un dot. Eh wesh là! Ah putain, bah ouais, mais avec leur dot de merde là! Putain! Putain, mais j'ai utilisé mon pouvoir au mauvais moment, enculé là! Ah, je suis désolé, j'ai la rage! J'ai la rage de ouf! Putain, mais allez! C'est mal fait ce putain de mur là! Allez! Je pense que je vais en faire une quatrième si je perds, je veux finir sur une note positive. Après, non, c'est déjà 3, c'est déjà beaucoup trop!
Après, j'avoue que le Hotball, c'est vraiment le jeu où je joue le moins. Je joue le moins dessus, quoi. Je m'en fous complètement. Je m'en tape un petit peu, je vais pas te mentir que là, je m'en fous. Mais alors, je m'en tape. Hop, je m'en tape un petit peu parce que c'est pas un mode de jeu que j'apprécie beaucoup, je vais pas vous mentir. C'est vraiment. Je crois que c'est le jeu que j'aime le moins. Enfin, il est fun parce que c'est une arène et tout, il y a des pièges, mais le principe. Le principe, il est bien, tu vas faire un foot dans Star Wars, mais. Mais pas de là à être si extraordinaire. Enfin, je veux dire, c'est toujours pareil, quoi. Oh là là, allez vous là, bordel de merde. Chien grenouille éclaté, qu'on appelle un droïde de nettoyage. Pas se manquer, les vers de chair ont besoin de lunettes. Bon, mais non, mais barre-toi, tu te fais défoncer. Voilà, cours derrière le mur, fais un truc, cache-toi, genre fuis. Fuis. Fuis, fuis, fuis. Nickel, donc là on va se soigner. Hop, 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 on est bien, on est bien, on est bien. Donc ouais, c'est pas vraiment le hotball, il est fun dans l'idée, mais parce que c'est un foot dans Star Wars, donc c'est fun, mais bon, c'est clairement le seul jeu où je joue pas du tout, du tout, du tout le jeu, quoi. Nickel. Ah, la pute. Well, 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 well. Ah. Allez, putain, mais ils veulent pas. Hein. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Voilà, 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 voilà. Mais que se passe-t-il? Voilà, toi ça. Alors. Je sais pas où donner la tête. Passe le chien grenouille dans le néant. Je sais pas, ouais. Les chiens grenouilles s'emparent de la balle! Allez, les chiens grenouilles! Je sais pas, ah, c'est pas beaucoup ce médaille. Les vers de chair ont éliminé un chien grenouille. Brutal. Viens là. Bon, allez. Ah ouais, GG. Par contre, j'ai pas beaucoup de médailles. C'est pas. C'est triste. J'ai que 6 pauvres médailles. En fait, j'ai l'impression que dans le hotball, je sais pas comment on fait pour avoir des médailles. Des fois, t'en as, ils jouent full PVP dans les autres zones de guerre, ils ont masse médailles. Et t'en as d'autres, bon. C'est pas trop ça, quoi. Les chiens grenouilles s'emparent de la balle. Allez, les chiens grenouilles. Ah, la pute. Oh, viens là. Viens là, putain. Ah, c'est barré la pute. Viens là. Alors toi. Bon bah je vais crever forcément, j'ai plus de vie.
Je te dis. Ah! Merci, ils m'ont aidé. Ah, ils m'ont aidé. Si, thank you. Thank you so much. Bon, voilà, je suis stun, rip. Je suis stun. Et on voit notre équipe, elle gère bien. Elle gère bien de ouf. Alors que je joue pas l'objectif et tout, donc en vrai, tu vois. Ah putain, ils veulent pas. Ah, fait chier, mais il agrappe l'autre. Putain, il l'agrappe alors que je le faisais. C'est tricheur, c'est pas du jeu ça. C'est pas bien. Il l'a fait en fait, et l'autre il l'a fait derrière. Bon. C'est pas très très grave. Vite, 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 vite. Ok, nickel, on est bien. Non, en vrai, non, ça va. Ce sera la dernière. Mais en tout cas, c'était fun. J'aime bien. J'aime beaucoup jouer à... Merde. Alors, wesh, il est où? Il est où? Il est où? Ah. Alors, mais crève pas, bordel. Mais pour combien de temps? Oh, c'est le bordel. Oh, c'est le bordel. Oh, ah, c'est si beau. Oh, ah, ils se sont tous jetés dessus, quoi. Oh, oh la vache. Ah non, c'est pas marrant. Waouh, waouh, waouh. Se valent. Espérons que quelqu'un se fasse vite réduire en bouillie. Ah la balle au centre. Que la frénésie commence. Vas-y. Ah mais hey, mais il va. Les obstacles du match de Hutball d'aujourd'hui sont fournis par la corporation Xerka. Xerka. Mais les putain. Allez. Retour. Ah vache. Putain, j'ai pas eu ma médaille en plus. Genre, rip. Attends, viens là toi. Oh oui! Putain, ça c'était bien joué. Les vers de chair ont la balle. Allez les vers, en avant. Je les grimpe avant qu'ils touchent la balle. Je pensais pas que c'était possible. 17 secondes, ils peuvent pas marquer. Ça va être un égalité, ça va être un égalité. Vas-y, vas-y. Oh oui! C'est bon, c'est égalité. Égalité. Bah nickel. Et en fait la balle bah, est tombée par terre quoi, et du coup il a eu le seum, voilà, tout simplement. Du coup tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Du coup bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde et portez-vous bien.